Et salut à tous, salut à tous mes amis Florentin, Carolo, tous mes amis. Match face au Napoli, très important. Après, il ne faut pas contre la Spezia. J'espère qu'on va se reprendre à domicile. Pas maintenant. Et tu vas où sur quelle chaîne toi? C'est la chaîne que j'ai mis. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui Va à s'annonce droite. au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, Que je me parce que regarde. l'échauffement s'est parfaitement passé. On a Pas de même le vu pas. des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire Mais que ça a si on est changé. repris Oh dans là un match, là. on va se régaler. Tu Bref, m'énerves. l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Comme une mauvaise Ce event. stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Ils sont sûrement trompés dans le texte et c'est tout. Mario Rui. Là, faut laisser le event là. Fabien Ruiz. Long ballon dans le sens du jeu. Quelle inspiration! Il peut choisir de centrer. Un centre vers le second poteau. La Fiorentina qui s'était imposée lors de la dernière confrontation entre les Vinicius, deux qui équipes a pris espère sa bien place remporter une nouvelle de victoire titulaire. aujourd'hui. Koulibaly. Le Napoli qui cherche l'ouverture. Oula, aussi, non. Il a trébuché sur cette intervention. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Fabien Ruiz à droite. C'est joué long. Il est passé. Attention, il peut y aller. Encore, il peut frapper. Et le cadre se dérobe largement. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient bien été mieux, c'est dommage. Savonara s'est joué dans la profondeur. Vinicius Junior, il tente sa chance. Et chapeau à la défense pour ce sauvetage sur la ligne. Et il est sorti du jeu. Une frappe aussi lourde, c'est tout simplement imparable. Quelle Belle puissance affaire. énorme! Allez l'arrêter celle-là, tiens.
début dans cette rencontre. Vivement la suite. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Koulibaly. La longue passe. Bonne interception, il y avait danger. Il allonge. Il cherche la profondeur. Va-t-il en profiter? Il y a peut-être un coup à jouer. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. C'est chaud. Il s'enfonce côté droit. Oh, quel caviar! C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait la réussir. S'il le trouve, il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est joué long, attention. Voilà une bonne occasion de contre. Chiesa. Ce ballon bien dosé. Pas de réussite, ils ne se sont pas compris. Ça a été tout et tout ça jusqu'à l'heure du match, c'est fait. Qui peut avancer. Allez, un seul coup d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. En la profondeur, bien vu. Vinicius. Le bon dribble. Il a changé. Vinicius Junior. Oh, il va. À côté. Oh, il faut le garder à l'œil, celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense, mais sa frappe manquait de conviction. Dans la profondeur. Oh, très bon ballon. Il est à distance de tir. Chiesa. Oh, c'est un arrêt important, ça. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais de bien. Oh, c'est que de la crème, bah. Parce que t'as des grosses croûtes. Ce sera le premier corner du match. Jouer long, c'est dangereux. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Saponara. Chiesa. Oh. C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ben, faudrait peut-être mettre lui mettre la crème noire. Hein. C'est tout à réagir, hein, mon Dieu. Attention, on va se concentrer, c'est juste un mot. Ça n'a pas pu aller plus loin. Saponara. On en met nous encore. Il cherche la profondeur. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, peut-être. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. La Fiorentina, qui est donc devant, à mi-parcours dans cette rencontre, avantage d'un petit but. Thank you.
Ik dat we niet daar niet van dingen die het al dagen met tijd zien gewoon gaat terug. Oh, ik ben B. J'ai bien le père B. Thank you.
Bon allez, deuxième mi-temps. Parce qu'après j'ai un masque qui m'attend. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça ferait vite basculer. Et Vinicius qui fait le travail. Il a stoppé l'attaque adverse. Qui lance Vlahovic. Le Napoli qui peut vraiment remercier son entraîneur pour sa dernière victoire. C'est clair, et tout le monde en a parlé. C'est bien de voir un manager tenter des choses comme ça. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Mais il prend donc un carton jaune. Bien facile. De ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Il s'impose physiquement dans ce duel. Et tu dois imaginer que c'est hors jeu. Hors jeu, apparemment. Ouais, avec sa femme. Ça va soulager un peu. Et c'est directement récupéré. C'est allongé. Zielinski. Et ce ballon sur l'aile. Et il jaillit pour prendre ce ballon. La défense est très solide. Son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Allez, on est à l'heure de jeu. On devrait en mettre un deuxième but. C'est joué long. D'abord jeu. Et merci, il a déjà mis patate tantôt. Ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Quelle passe, Vinicius Junior. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Oh, Lorenzo Insigne. C'est bien fait ça. On la frappe. Oh, l'égalisation de Simon. Choses intéressantes, le prochain but va être crucial. Ces deux-là se comprennent à la perfection et une de parfaitement exécutée. Le jeu reprend sur un score de parité. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? C'était une bonne intervention. Un
long ballon vers l'avant. Oh, Lorenzo Insigne. Et ce sera une faute. Son premier but. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça m'a fait du bien. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Ils ont pris le temps, mais les voilà devant. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent tenir jusqu'à la fin? Attention à lui-même. Bien bloqué. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Un ballon intéressant. Il décide d'allonger le jeu. L'arbitre a sifflé, faute. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour ce retour. Dans la profondeur. Il est passé. Dégagement le plus loin possible. Ah, ah bah oui, je l'ai dit. J'ai remis vite mon match. Allez, c'est pas, ça va, ils sont les retraits. Le ballon s'en touche. La Fiorentina. Allez, c'est là. Un changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Frappe. De finition, tout ça, j'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Et récupération sans se livrer. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet. La tentative. Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Quand tu veux faire le temps, c'est pas le temps de faire le roi. Unis-tu les mêmes, tout le monde chante tout en cœur. J'ai envie d'avoir. Ça joue long. La longe
change le jeu dans la surface. Un centre, la tête. Goal. Maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Azmoun, l'Iranien. Il est monté tout en haut du ciel pour la reprendre, celle-là. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Voilà une bonne manière de rentrer à l'entrée en jeu. C'est fabuleux. Là, je crois qu'on peut le dire sans prendre de risques, c'est plié. Ça joue long vers l'avant. Zielinski, la passe dans la profondeur. Il est tout seul. Il choisit de centrer. Le coup de tête. Et il manque le geste décisif. Il y avait du monde dans la surface là, c'est une belle occasion. Et l'arbitre siffle la fin de victoire. Match.